Bonsoir, je suis Bob Lennon. Et bienvenue dans l'épisode 14 de l'ombre du Mordor avec Zuka le marteleur et Krimp l'arbitre. Alors si possible, voilà, si possible, peur de la brutalité, très bien ça. Dernier survivant, frère de sang. C'est le frère de sang de Grom, le tueur de Karagor, très bien. J'aimerais beaucoup réussir à choper Krimp l'arbitre parce qu'il m'a l'air assez balèze. Quant à Zuka le marteleur, mode de Karagor, rugissement bestial. Bon, il a un peu le cerveau à l'air libre quand même, c'est stylé, hein, faut le dire. J'avoue que l'arbitre, c'est pas mal. Broyez et broyez. Ok, donc il sert à rien. Ça y est, les gars. Il suffit de faire couler un peu de sang et ce poste est à nous. Très bien. Battez Krimp l'arbitre ou Zuka le marteleur. Bah déjà, on va attendre qu'ils se battent. Oh, cette mistre. Bonjour les filles. Attaque surprise. Ce combat ne te regarde pas, pot tendre. Mais si tu veux, on peut te faire une petite place. Oh, tu sais vraiment dire ce qu'il faut pour me faire plaisir. Tac, c'est toi qui paye. Tac, tac. Oula. Tac. Ah merde, je voulais passer entre ses jambes. Mais il a escaladé le con. Oulala. Là. Je peux pas le drainer. Hop là, qui est brisé? Il y a des choses qui sont brisées. Un Karagor, très bien. Attends, raté. Voilà, qu'est-ce qu'il fait? Oh, il me démonte, Arg. Ok. Oula. Oula. Eh oui, c'est pas intelligent d'avoir le cerveau à l'air, mon gars. Tac. Allez. Tu finiras par obéir. Et tel est mon ordre. Mon ordre est que tu meurs. Pas toi. Oula. Oulala. Ah, il me broie. A-U-I-O-Y. Je te broie. Mais je peux pas l'attraper. Ah putain. Il me broie. Je te tiens. C'était bien eu, pas vrai? Je me sers. Oula. Alors attends, tu vas rien broyer du tout, toi, du coup? Non, toi, tu vas mourir. Allez. Voilà. Edain. Avancer dans le temps, non merci. Très bien. À nous deux. Mourir. Putain. Ok, viens te battre. Oula. Allez. Il paye. Tu t'es fièrement battu. Ce sera un plaisir et un honneur pour toi d'entrer dans mon armée. Joins-toi à moi.
jure d'exécuter tes ordres. C'est bien. Ton premier ordre, sera d'affronter Arbaruk le Goinfre au Mortal Kombat. Attends, lequel? Non, pas le Grisha la Pince. Grisha la Pince au Mortal Kombat. Très bien. Formidable. Allez, tire-toi. Bon, et ben c'est fait. Première mission de cet épisode, on est plutôt bien. On a recruté un guerre, on en a buté un autre, ce qui nous permet d'améliorer. Et ben au final, je suis dégueulasse. Elle a l'air dégueulasse, cette armure comme ça. C'est une catastrophe. J'ai pas du tout la bonne couleur d'armure, tu vois ce que je veux dire. Du coup, c'est absolument pas stylé. Par contre, comme ça, ouais, comme ça, ça le fait. Hein. Ça aussi, ça peut le faire. Faudrait une couleur un peu bleutée, tu vois. Empoisonner un ennemi, on peut ça. Level 17, ouais, non, ça ferait du caca. C'est des armures complètement pourries. Ouais, c'est la cape qui va pas. Je suis désolé, c'est la cape qui va pas. Ah, quoique, regardez. Santé entièrement régénérée après une attaque furtive. Et voilà, bah oui, là ça tient, là, comme ça. Voilà, voilà, voilà. C'était juste un problème de cape, en fait. Très bien. Petite armure rouge et argentée avec une cape. Oh là là, oh là 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 là. Oui, bah voilà. Il était là, le problème. Il était là. Par contre, la régène de santé, j'ignore si c'est vraiment si efficace que ça, en fait. Pourtant, j'avais l'impression que ça marchait bien, mais... On va essayer. Ouais, non. Hein. Je sais pas. Je teste, en fait, pour voir la régène, mais... Mais j'arrive pas à voir si ça régène tant que ça, en fait. Je me demande si c'est vraiment efficace. Parce que 26 de vie, si j'ai 400 PV, ça veut dire qu'il me faut 20 coups à peu près pour regagner de la vie. C'est compliqué, tu vois. Je sais pas. Je ne sais pas si c'est très utilité. Je ne sais pas si c'est très l'utilité, en fait, l'épée. Malheureusement, j'avais l'impression que c'était une épée qui permettait donc de regagner de la vie et donc qui était complètement pétée. Mais quelque part, tir d'elfe rechargé lors d'une exécution... Puissance rechargée, 2-3 quand le concert de coupe dépasse 10. Intéressant ça. Dégâts de mêlée quand on. 40% contre les ennemis EBT. Dégâts de mêlée 10%. Oh, c'est pas si moche. 31% de chance d'infliger une malédiction. Non, mais ça c'est très bien ça. Ça c'est très bien, c'est très bien. La malédiction c'est un truc qui est tellement rare. C'est un truc qui est tellement rare. Arbeka qui est là. Arbeka qui est devenu la mascotte avec Antonin le Gondoréen, qui malheureusement n'est plus revenu. J'espère qu'il va bien. J'espère qu'il est en bonne santé. J'espère qu'Antonin se porte bien. Du coup, téléportons-nous. Alors. Hop. Bonjour. Ne faites pas attention à moi. Quelque chose. Ne faites pas attention à moi, monsieur l'agent. Voilà, je fais que me servir. Merci. Voyons voir. C'est l'heure des combats de Pokémon. Crimp l'arbitre contre Grisha la Pince. Fight. T'as bien avancé, mais ça s'arrête là. Allons-y! Super! Et ça commence sans bullshit avec Chris Lapin qui commence avec un petit attaque à l'arbalète mais qui n'arrive pas à la recharger parce qu'il reste au corps à corps. Tandis que l'arbitre tente de charger mais ne peut rien faire. Il se fait infiniser. Et il a enfin réussi à stun. Et il sort un couteau. Oh, la téléportation du mal! Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Malheureusement, l'arbitre est trop lent. Et se fait mais démonter par la pince. On aurait pu croire que l'arbitre aurait pu avoir l'avantage dans ce combat grâce à son armure, mais la pince tient le coup. Bien évidemment, les bombes à prout
Qu'est-ce qu'il fait? Oh, il regagne de la vie! Oh, la régénération! Qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'à pas se prendre des flèches, là, il... Aïe, aïe, aïe. J'ai envie de dire, c'est un match-up assez triste. Oh là 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 là! Par contre, l'arbitre se fait démonter par la pince. Oh là là, la pince qui domine complètement le combat. L'arbitre casse à sa capacité de régénération, bien sûr, mais qui malheureusement s'avère décevant. Oh là 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 là. Décevant, brave Jean. Oh là là, ce tir à bout portant. Les angles de caméra qui sont changés. Le combat qui a lieu, c'est acharné hein. J'ai envie de dire que c'est serré, mais ce n'est pas le cas. À moins qu'une petite régénération de vie, si l'autre n'arrive pas à recharger sa barre assez vite. Et il a regagné 25% de ses PV. Le combat peut s'avérer extrêmement long. Le couteau, qui est très stylé bien sûr, mais qui ne change rien. Oh là 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 là. Stunné. Brisé. Presque vaincu. L'arbitre incapable de s'être défendu. Oh là là, incapable de se défendre. Grisha la pince qui a tué Krimpe l'arbitre et qui a gagné, qui nous a rapporté donc une épée, c'est cool. Ah, on gagne quand même le loot. Ah, c'est sympa. C'est sympa, c'est sympa, c'est sympa. Attendez. Du coup, grande victoire. Pourquoi pas. Excusez-moi. Qui on peut mettre? Ura la muraille. Belliciste, il y a de nouveaux capitaines qui sont apparus. Ça y est, enfin il se réveille. Donc lui il est mort. Ashgarn le fougueux. Zunoeil brillant. Ugol le fort. On va voir ce que vaut Ugol le fort contre Grisha la pince. Ugol, je rappelle, qui était un des généraux. Un des généraux de cette forteresse. Avant d'être recruté par le Lénon. Allez-y. Oh là là, ça risque de pas se passer de la même manière là pour le coup. Malgré le fait que Grisha la pince a l'avantage parce que rapide, agile. Il a son arbalète. Ah, ah, ah. Fais voir, fais voir. Ça prend du temps, hein, le petit temps de chargement. Ils réfléchissent à ce qu'ils vont se dire, à comment ils vont se démoraliser. Qui va lancer le premier point Godwin? Je rappelle, le point Godwin pour les orques, c'est l'équivalent de s'insulter et de se traiter de Arbeka en fait. Quand tu mentionnes Arbeka dans un argument, l'orque te mentionne un point... Bah c'est pas un point Godwin, c'est un point Arbeka en fait. Heureux, chers amis, heureux, c'est lancé. Allez, vas-y. Il survivra pas très longtemps. Ougol, ougol, ougol. Allons-y. Grisha, Grisha, Grisha. Et ça commence dès le début avec une bombe éclatante de la part d'Ougol le fort qui enchaîne, boum, avec une attaque au corps à corps qui fait perdre à peu près, je sais pas, 7% de la vie de Grisha. Oh mais là il est déjà au mid vital. Grisha qui se fait démonter mais qui tente bien de se défendre encore à corps. Ougol le fort qui est vraiment fort en fait. Et qui se défend tant bien que mal, malgré les flèches qui avancent. Il en a rien à battre. Abattez-le Legolas. Abattez-le Legolas. Nanderelei. Nanderelei Legolas. Il en a rien à foutre. Il s'en bat les couilles. Ougol le fort qui est vraiment fort en fait. Et qui démonte Grisha la pince. Oh là là. Le coup de tête, la prise. C'est les super casse de la WWE. And his name is John Cena. Incroyable. Incroyable du cul. The Machine. Du clan de la machine, Ougol le robot, qui a pris mais zéro damage, qui était en super armure, qui a fini ça sur un coup de poulet sur une chope. Oh mais incroyable, incroyable, Ougol le fort. Non mais c'est pas possible. Non mais c'est pas possible. C'est pas possible, nous devons tester les habiletés de cet homme. Parce que là, je suis à ça de le nommer. Hein. Alors attends, ordre. Krook. Ougol le fort, je peux pas lui donner des ordres? Déplacer. Est-ce que ça échange en fait le... Attends. Non, attends.
Krakorn. Détail, destructeur. Ah merde, parce que du coup je peux pas en faire un. Ok. Google le fort. Je peux pas lui donner d'ordre parce qu'il est en pleine mission. Il est en pleine mission. Il apporte son soutien à une mission de partisans. Merde, laquelle? D'accord, ils sont en train d'encercler un Karagor pour des ennemis. Je vais faire la mission d'Ugol le Fort pour le libérer, tu vois, de ses obligations. Et ça, quoi, voilà. On va le libérer de ses obligations sociales. Et une fois que ce sera fait, on peut voir jusqu'où il peut monter. Alors, j'ai une question. Est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on peut en faire un capitaine? Est-ce qu'on peut faire descendre le chef suprême de son piédestal pour qu'il se batte contre ce gars? Parce que moi, cet orc, je me suis peut-être trompé, hein. Il m'a mis une hype, quoi. Incroyable. Alors, contre un capitaine inconnu, eh ben allons-y. Regardez ces Karagor, durs et sauvages. Voyons s'ils aiment l'autorité des Uruks. Sympathique. Tuez-les rapidement, sans pitié. Vaut mieux éviter qu'ils lâchent les bêtes. Spoiler, Monsieur Papa est là. Il va lâcher les bêtes. Oh, toutes les bêtes. Absolument toutes les bêtes. Les mouches, les grogues. Tout le monde est libre. Voilà, et là, ça c'est la mêlée, tu vois. Ça, ça fait plaisir. Là, je te tiens. Tac. Ah bon? Ah non. C'est pas ça que je voulais. Descends. Ah merde, il est mort. Il est mort à cause d'une explosion, je l'ai raté. C'est pas grave. Naruk, le pic sanglant, est devenu toxique. Ah merde. Il est devenu toxique. Il a lancé des hashtags. Il s'est abonné à des gens qu'il fallait pas. Ah voilà, très bien. Qui est ce gars là-bas là? Des mauvais joueurs. Misérables garçons des morts. Il l'a buté? Je ne comprends rien à ce qui se passe. Brave Jean, j'essaie de voir. J'essaie de voir et de comprendre ce qui se passe très sincèrement. J'essaie de jeter des couteaux, j'essaie de voir, j'essaie de comprendre, mais apparemment il y a des gens qui sont morts. Voilà. Ok, très bien. Ok, très bien. Il est en train de péter un câble de son côté. Est-ce que je peux lui donner un ordre? Est-ce que ça y est, il est libre parce qu'il a plus beaucoup de vie et ça m'inquiète? Ce serait vraiment dommage qu'il soit. Voilà, très bien. Ordre. Ordre. Contre qui tu vas te battre? Contre qui tu vas te battre? Eh ben, tu vas te battre contre Arbaruk le Goinfre. Parce que Arbaruk le Goinfre, il est peut-être stylé, mais en attendant, ou Ashgard le Fouilleux, Baga le Fer Rouge. Ah, Fougueux contre Fer Rouge. C'est-à-dire le mec qui a une tête en fer et le mec qui a des pics de fer. Ura la Muraille, non, parce que je souhaite le garder. C'est quand même un bon soldat, faut pas déconner. Mais voilà. Oh là là, le match-up. Je vais voir s'il est vraiment fort, le mec. Super. Donc ce test ayant été terminé, nous pouvons revenir en déplacement rapide ici, ce qui fait que du coup, voilà. Ce qui fait que du coup, qu'est-ce qui se passe? Il y a une bannière en bas? Apparemment il y a une bannière de guerre en bas, très bien. Mais du coup, ce qui fait que du coup en me téléportant, comme il n'est plus chargé par le jeu, il ne peut donc plus mourir. Du moins pour rien, tu vois. Voilà, ça c'est juste pour foutre la merde. Oh là là, le match-up! Le match de votre vie! Ce soir, dans le Thunderdome, le match est une exécution!
Ugol le fort contre Baruk le goinfre. Tu vas perdre tout ton sang. Allez, je ne fais que commencer. Ugol le fort qui fait le match de sa carrière, tandis qu'il met une powerbomb qui empêche l'attaque et la charge. Empêche la charge de... du goinfre qui le chope au corps à corps. Oh, cette droite incroyable! Mais Ugol le fort se relève, ça n'est que le début du match. Une smoke bomb, parade, moitié de sa vie, contre-attaque de la part de Ugol, mais c'est quand même difficile. Hein. C'est difficile de faire face, il y a des mouches de morgaï sur le terrain. On ne sait pas pourquoi. Il tente de se battre, malheureusement. Le goinfre a apporté ses amis et est en train de massacrer Ugol le fort qui, malgré ses matchs incroyables, c'était le nouvel espoir. Le nouvel espoir qui va disparaître. Vaincu par Arbaruk le goinfre. C'est Hulk Hogan qui perd face à André le géant. Quel dommage, quel dommage. Mais quelque part, c'était écrit. Bon bah c'était une exécution. Moi je m'attendais à une espèce de hype. Malheureusement la hype était mais inexistante. C'est pas grave. Ugol le fort, il reviendra peut-être. Qui peut battre Arbaruk le goinfre? En attendant, dans le mix-up Baga. Et... Baga, ouais, très bien. Asgard. En attendant le mix-up incroyable, c'était le match principal, mais ne vendez pas vos billets tout de suite et ne vous levez pas et ne vous partez pas tout de suite du Thunder de Brunchamp parce qu'il y a encore le match des sous-fifres juste derrière. Qui certes n'est pas l'événement principal, mais c'est l'entre-deux pendant que les pubs passent qui sont divertissantes. C'est parti! Qui de la tête enflammée ou des points je de feu gagnera? Pas, mais je sais mordre! Fais gaffe à ta tête! Encore un pauvre globe à buter! Oh là 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 là! Il a sorti le dildo à sa maman! Et ça commence avec une flèche enflammée dès le début qui met l'autre au sol! Il s'attendait pas à ce qu'une arbalète puisse tirer des carreaux! Et il se fait mais bolosser alors que tout son corps est au feu! Oh là là, c'est une exécution ce soir! Il approche, il aura le temps d'attaquer une fois! Oui, ça y est, enfin! Il peut commencer ses attaques en tant que berserker, malgré le fait que les flèches soient son point faible, vu qu'il n'a absolument aucune garde. Magnifique esquive de la part de la tête enflammée, qui contre-attaque avec son pic et esquive la deuxième contre-attaque. Apparemment, c'est un match à sens unique. Il y a aussi des suiveurs sur le terrain, ce qui est dégueulasse. Coup de tête, la prise WWE. Et une power bomb, enfin un body slam. Oh, la chaîne. Est-ce que c'est une exécution? Et la tête part. Inattendu! On ne s'y serait jamais attendu, on n'y aurait jamais cru! Alors qu'il se faisait dominer pendant la première partie du match et qu'il s'est relevé après, avec 5 carreaux de feu, le corps enflammé! Alors qu'il y avait les assists qui sont en PLS, qui se disent oh non, oh c'est baisé! Oh, il va falloir me trouver un nouveau boulot, tu vois. Il est très très déçu, lui, quelque part. Cette espèce de crochet. Scorpio, exécution, fatality, félicitations, les orcs qui regardent ça se disent que c'est bel et bien lui le meilleur. Incroyable. Ashgarn vaincu et Baga qui l'emporte. Absolument incroyable. Absolument incroyable, absolument incroyable. Ce qui fait que bien sûr dans notre espèce de tournoi intérieur du Mordor, le tournoi de la win, le tournoi de la win qui ira affronter Arbaruk le goinfre, l'invincible hein, bien sûr. Nous allons avoir de nouveaux contenders, Ura la muraille versus Zun œil brillant ou Naruk le pic sanglant. J'ai envie de dire Zun œil brillant, ça pourrait être sympathique. Et ouais, Snafu le burler contre Naruk pic sanglant, très bien. C'est parti, le match-up est total. Naruk. Ah, ils peuvent pas, d'accord, il y a un combat de fosse en cours, ok, très bien. Et c'est parti! Sélection naturelle chez les autres, Ura la muraille, un personnage que j'aime beaucoup. Mais ne jamais parier sur Bob Lennon. Tandis qu'en face, nous avons Zun, œil brillant, il est là, il est ancien et il y voit clair comme de l'eau de roche. Il voit à travers l'armure de Ura la muraille. Et il voit la faiblesse! Incroyable. Tu te crois dur? Moi, je suis dur. Il parle de son érection. J'ai bien envie de signer encore une victoire.
aura la muraille qui dit ça, bien évidemment, pour impressionner son adversaire, vu qu'il n'a absolument encore rien gagné. Et c'est tout de suite une immobilisation par la lumière, tandis que les assistes tentent de tirer sur la muraille avec son bouclier gigantesque. Oh, les attaques à la lance qui touchent à grande distance. Il tente de gagner, bien sûr, de la distance. Et c'est une charge! Une charge triple pique. La bombe à prout qui, bien sûr, immobilise les adversaires. Oh là 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 là, tentative de défense, mais il y aura la muraille, bien évidemment. C'est pour ça que j'aime bien les persos muraille. C'est parce qu'ils sont capables de supporter des quantités de dégâts incroyables. Boum! Coup de bouclier. Oh là 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 là. Body slam! Incroyable, il n'a pas déçu Ura la muraille qui remporte ce match. Putain, mais c'est ouf. C'est ouf en fait, cet épisode était censé être un épisode où j'avançais l'histoire et tout, mais c'est trop bien. Snafu. Snafu contre Narug, le pic sanglant, bien évidemment deux orques. Qui sont des orques assez sneaky. Deux orques ninja qui vont se battre. Enfin un orque ninja et un orque chasseur. Qui sera le chasseur? Qui sera la proie? Snafu le hurleur et Narug le pic sanglant. Très facile à repérer, bien sûr, on commence. Alors que leurs assistes doivent quitter le terrain, s'il vous plaît. Les seconds en dehors du ring. J'espère que tu es motivé comme moi. Oh là 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 là, Snafu qui motive les foules. Snafu qui met une hype et qui fait tout de suite une roulade et qui esquive le piège. Le piège, le hurleur, bien évidemment, qui garde son nom. Un assist qui s'est pris pièce à sa place. La contre-attaque est instantanée. Snafu qui esquive les attaques au corps à corps malgré l'empoisonnement du pic sanglant. Ah, malheureusement, il s'en prend une, mais il n'est pas encore empoisonné. Tout va bien. Un piège est au sol. Les esquives, attention aux esquives. Magnifique roulade. En tout cas, il est d'une agilité incroyable. Et l'empoisonnement, ça y est, il est passé. Il est passé l'empoisonnement, il fait du dégât. Petite roulade, le poison est partout. Tout le monde est empoisonné. C'est le pic au sol. Ah là 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 là. Et c'est le Tétanos! Le Tétanos qui aura eu raison de Snafu le hurleur, tandis que Narug le pic sanglant remporte ce match grâce à ses pièges, grâce à ses attaques, grâce à son poison et grâce à sa team. Parce qu'il n'était pas tout seul, hein, il faut savoir, il a réussi à toucher deux fois quoi. Donc voilà, que ça vous serve de leçon, faire des roulades comme dans Dark Souls et faire n'importe quoi, c'est sympathique, mais au bout de la journée, si vous êtes incapable d'esquiver les menaces environnementales, vous ne ferez pas long feu. Du coup, c'est l'heure d'un très grand duel. Comme le tueur de Karagor. Merde, on aurait bien voulu l'avoir, lui. C'est l'heure d'un très très grand duel. Le grand duel, bon duel. J'hésite, hein. Krakor. Ils peuvent vous battre en duel? Putain, ils peuvent pas se battre en duel, ça pue du cul. C'est terrible. C'est terrible. Parce que moi, je veux le voir en duel, lui, c'est ouf, hein. Très bien. En duel, bien sûr, le boss de fin, c'est André le Géant, hein, c'est Arbaruk le Goinfre. Narug. Un combat contre la muraille ou contre le fer rouge? Non, le prochain match-off verra un orque que l'on aime disparaître entre Baga le fer rouge et Ura la muraille. Deux orques extrêmement charismatiques, deux orques extrêmement appréciés du public. Ce jour sera un jour sombre pour une communauté ou pour l'autre. Les paris sont lancés sur le chat. C'est parti, Baga le fer rouge contre Ura la muraille. Qui de la lance invincible ou du bouclier inébranlable? La force que l'on ne peut pas arrêter, la force que l'on ne peut pas mouvoir. Un combat éternel, chers amis. Trois fort, hein? On va vérifier. Votre commentateur souffle du coca. À toi de mourir. Oh là là, et le ton est lancé, ils sont de level égal. Et une attaque se lance dès le début malgré un piège au sol. Une petite coup de pique et ça se teste, hein. Ça y est, le duel s'enchaîne, un magnifique coup de pieu lancé au milieu du torse de l'adversaire, deux fois qu'il se fait avoir. Ura la muraille qui tient malgré les flammes et qui repousse son adversaire. Malgré ses tentatives de stratégie, malgré son finish absolument incroyable lors du dernier match. Malheureusement, c'est insuffisant. Ura la muraille qui ne déçoit pas. Et qui exécute Baga de fer rouge d'une manière assez vanilla finalement, hein. Un homme taciturne, efficace, un homme infâme. Enfin un orque. Ça sent très très bon, ça sent très très bon.
Du coup, dans cette finale du tournoi qui ne fait aucun sens parce que j'ai pas fait de braquette parce que j'avais un nombre impair de combattants. Plutôt, j'avais un nombre pair de combattants, mais dans le tas, il y avait Arbarouk. Hein, Arbarouk, qui bien sûr... Narug. Va tenter d'être détrôné par le pic sanglant. Arbarouk, absolument incroyable. Arbarouk qui regarde son repas du soir, ce soir dans le Thunderdome, après exécution holocauste. Ouais, les gars qui sortent des titres de plus en plus putassiers pour son match de merde. Je vais t'éclater, prépare-toi. Approche, sale mauviette. Naro qui tente de se motiver. Et dès le début, c'est une chope. Miam miam, ça parle mal avec une droite incroyable. Les lances piquent. Oh là 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 là, il ne peut rien faire. C'est un meurtre. C'est un meurtre, chers amis. Et ils en profitent pour bolosser un de ses assists. Mais Narug est passé enragé, tout comme le goinfre qui enchaîne les attaques et qui ne s'arrête jamais. Et malheureusement, Arbarouk, indétrônable, qui est enragé sur le terrain. C'est fou. Et donc, malgré le fait qu'on ait passé tellement de temps à recruter tous ces orques, tellement de temps pour cet instant fatidique, oula, le dernier orque qui peut encore tenir la fosse, qui peut encore faire face, qui pourra vaincre Arbarouk, que j'aime pas, en plus il est moche. Peut-être le dragon. Peut-être le dragon, Arbeka le dragon. Le fameux. Et le jour où on le recrute, je vais le poupounier, mon gars. Et le chat est en folie, chers amis, alors que ce match d'anthologie commence. Oura, 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 oura. Oura. Je vais t'assommer et te réduire en miettes. Encore un globe crevé. Oura en confiance. Oura qui avance avec une bombe aveuglante qui ne marche malheureusement pas sur le Holog. Qu'il arrive à bloquer l'attaque, mais il a la malédiction des mouches de Morgaï. Cependant, Oura la muraille. Nonobs est sans contre-moque. Le feu, le poison. Rien n'arrête Oura la muraille qui transperce son adversaire. Qui vise directement la bedaine. Il a trop mangé et boum, transpercement, et il a tout bloqué par son bouclier. Il prend une position défensive extrême. Ah, il sait que Arbarouk est extrêmement offensif. Bien tenté cette espèce de détournement. Malheureusement, aïe 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 aïe. Contre-attaque de sa part. Il a plus beaucoup de vie. La chope qui rate. Le repoussage de Shield Bash. La bombe qui peut sauver. Le match est tendu. On ne sait pas qui peut l'emporter. Ça peut se terminer d'un seul coup. Triple pic. Contre-attaque incroyable. Et c'est le zéro de vital parfait. Oh. Et c'est la victoire. C'est la victoire de Arbarouk qui a été mise en grande difficulté. Malgré tous les efforts de Urbeka. Comment on fait pour enlever profiteur de champ? Non, voilà, très bien. Malgré tous les efforts d'Oura la muraille qui voit sa carrière se terminer aujourd'hui. Regardez. En fait, je l'aime pas, mais quelque part, même si on ne l'aime pas, c'est difficile de ne pas se sentir heureux pour lui. La joie se lit dans ses dents. Il se dit que ce soir, ça va être croustillant. Et avec tous ces morceaux, il y a déjà l'assiette qui est servie avec la tête. C'est formidable. Cet Holog est heureux. Incroyable. Merci pour votre argent, chers amis. Arbarouk le goinfre. Invincible et invaincu. Oh là 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 là. Cependant, Skashi, Daga, Ça n'est pas terminé, parce que comme dans Street Fighter, quand tu bats le dernier boss, il y a genre Gookie qui débarque. Attends une seconde, qu'est-ce qu'il craint? Pour que je fasse pas d'erreur et que ce soit pas un non-match. Qu'est-ce que tu crains, mon grand? Des bêtes!
et à l'épreuve du feu. D'accord, il n'a peur de rien en fait. Très bien. Il n'a peur de rien et il craint juste... Enfin, il a juste mal à cause des bêtes. Ok, très bien. Mais il faut le savoir. Donc pas de Karagor. Voyons voir. Chacal délicieux. Pourquoi pas des membres légendaires comme Goubou le dompteur. Coq le tueur mort. Nakra l'asservisseur. Oh là 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 là. Ça pourrait être un match-up incroyable. Ça pourrait être un match-up incroyable. Mozu le maquillé. On peut se donner un petit espoir, hein. Oh là là là. Tous ces orques qui ne pourront malheureusement pas faire face. il est où le mec qui était complètement stylé en fait? Voilà, Narug l'enragé. Malheureusement, il n'est que level 15. Mais mon dieu, qu'il est stylé quoi. Eh bien écoute, on va quand même donner une chance. On va voir si le porteur de Karagor peut mettre un mal. Ah merde, j'ai changé de région. Non, je veux pas. Déployer. À bord d'un Karagor blanc en plus, hein. Absolument incroyable. Bob, avec un fauve, c'est plus classe en arène, c'est vrai. Surtout qu'en plus, il est faible face au fauve. Il n'a pas peur, mais ça lui fait plus de dégâts. Donc là, c'est vraiment le dernier match du monde. Si Arbaouk remporte ce match... Affronte un vrai champion. Arbaouk le goinfre. Prépare-toi. Contre Nakra, la servisseur qui est venue. Des terres éloignées. Juste pour faire face. Et il est déjà descendu de son Karagor. Le Karagor qui, bien sûr, attaque à l'infini. Pas RBK, mais comment ça s'appelle? Arbaouk. Tandis que Nakra s'occupe de ses adversaires. Et ça y est, enfin, pour un Karagor qui était censé lui faire beaucoup de dégâts, il ne s'est rien passé. Boum, dans son dos, malgré la posture de bouclier. Et ça y est, c'est une exécution ce soir, mais il se défend. Il a la malédiction de Morgaï, il a été saisi. Miam miam, il se repaît de ses ennemis en se battant avec un fémur de un fémur de troll gigantesque de Grog. Oh là là, cette attaque dans le dos. Nakra a fait tellement de voyages de chemin. Il a voyagé pendant des semaines. Malheureusement, ce sera insuffisant. Et il meurt à cause de piqûres de mouches. Il y avait une guêpe dans le tas et il n'avait pas son épipène sur lui. L'allergie contre les guêpes, chers amis, c'est très 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 létal. Faut faire très attention. Victoire donc de Arbaouk le goinfre, que je vais être obligé de bombarder, hein. Je vais être obligé de promotionner là. Comment je fais pour le promotionner? Je peux? Dites-moi que je peux, hein. Krook. Chef suprême, ouais. Krakorn. Ah, Arbaouk le goinfre déplacé. Voilà. C'est vrai. Il mérite, hein. Il mérite, hein. C'est terrible, mais. Quoique, attendez. Krook. Attendez. Ce n'est pas fini. Borgu. Ce n'est pas fini. Arbaouk. Voilà. Ça y est. Le duel est total. Le duel est absolu. Krook, cœur noir. Borgu, l'estropian.
Il faut battre les deux derniers boss. Il faut battre Vega, Saga et Balrog. Barbarok. Enfin, Balrog, Vega et Saga. Pour pouvoir faire face à Mister Bison en personne. Qui était le chef? C'était lui, hein. C'était Cru Cœur Noir. Et bah, commence par l'Estropian. Allons-y. Incroyable. Incroyable, incroyable, incroyable. Parce que si jamais il gagne, brave Jean, il mérite, hein. Je suis désolé, mais il mérite, hein. Il mérite le trône. Y a rien d'autre. J'ai rien d'autre à dire. Je ne peux pas continuer comme ça. Nous continuerons jusqu'à ce que notre but soit atteint. Mettez-vous à ma place. Quel régal. Allons-y. Le grand duel. Promets-moi que tu vas te débattre. Je déteste quand l'ennemi se contente de s'écrouler. Borgule Estropian. Personne ne peut me vaincre. Personne. Arc Barouk le goinfre. Et c'est parti pour le combat. Et dès le début, il l'empale avec sa lance. Et il ne l'empoisonne pas. Il sort des chaînes pour faire une attaque spéciale qui fait des dégâts sur Arc Barouk. Est-ce que Borgule Estropié peut prouver qu'il est d'un autre niveau? Que les chevaliers d'argent ne pourront jamais être touchés par des chevaliers de bronze? Et que les chevaliers d'or sont à des kilomètres au-delà de toute cette plèbe? Incroyable! Malgré les mouches, l'Estropian se contre-moque de tout ceci et est en train d'éliminer! Oh là 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 là, il ne méritait pas sa place! Oh là là, il se recoiffe! Incroyable! Incroyable! Mais oui, Arc Barouk le goinfre, qu'on croyait être le meilleur des chevaliers de bronze, enfin des chevaliers d'argent, tu vois, n'a rien pu faire face à un chevalier d'or. Il n'a même pas souillé ses vêtements. Il n'a rien fait. Krakor. Il n'a rien pu faire. Il n'a rien pu faire, faut le comprendre. Faut le comprendre, il n'a rien pu faire. C'est incroyable. Et bien évidemment, ça ne peut jamais s'arrêter là. Ça ne peut jamais s'arrêter là quand les deux généraux se regardent. Lui était tout en haut de la pyramide. Lui a pu vaincre le contender. Mais maintenant le doute se fait. Le doute se laisse. Le doute existe. Qui est le plus fort entre Borgule Estropian et Cruc le Cœur Noir? Qui méritera la forteresse de... la forteresse de... La forteresse de Nurnen. Voilà, très bien. Excusez-moi. Oh là 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 là. D'un côté, nous avons Borgule Estropian, mercenaire, fort, et regardez-moi ce téton. Cet anneau au téton. Un homme qui a accepté son amour. Un homme qui a enlevé tous ses poils. Un homme qui s'épile face à Cruc Cœur Noir. Un homme qui est quelque part nommé le papa des orques. Non pas parce qu'il fait preuve de violence, mais parce qu'il veille sur ses larbins. Qui, entre le sombre mercenaire SM solitaire et le papa des orques, emportera ce combat? Oh là là, c'est incroyable. Borgu Cruc, je suis ton dernier adversaire. Allez, vite! Que le prochain candidat au martyr approche! Borgu qui s'annonce! Et c'est un duel de colosses aujourd'hui, alors que les petits coups se font et qu'il y a déjà le poison qui a été donné. Il tente de briser les gardes, mais ça échoue. Un échange incroyable. Un échange incroyable entre ces deux personnages qui se font des petites attaques dans la garde. Mais le poisson donne lentement, mais sûrement, un avantage à Cruc. Ce qui est dangereux. Ouh, ça y est! Bam! Petite attaque qui fait beaucoup de dégâts. Malheureusement, il est toujours en retard à l'énergie. Même si ses attaques bloquent et prennent, il en prend le temps de vomir. Les dégâts sont réels. Il utilise l'égide de sa protection. Malheureusement, le papa ne pourra pas faire face et cette chope ne passe pas dans la garde. Petit bump de bouclier. Oh! Et il lui a coupé la bite! Dans un mouvement fluide, souple et harmonieux, décrivant un cercle parfait, le cercle de la vie et de la mort. Ah, Sibeya, Simawi, Simawa, Bananawe, le cercle qui se termine,
ce cercle qui dessine, tel un rayon de lune, l'arène qui entoure les orques. Incroyable du cul. Borgou a marqué son territoire. Borgou, avec ses tétons percés, sait où viser. Il est évident qu'un orque aussi méchant, aussi vicieux, aussi arriviste, aussi fort, un orque qui aura repris tous les champions et qui les aura exécutés, mérite bien évidemment sa place. En tant que maître suprême! Incroyable! Bon, par contre, des formes infernales distribuistiques. Un mécanisme se prépare à attaquer le camp de Arbeka. Ah non, mais c'est inacceptable! C'est inacceptable! Quelqu'un va attaquer Arbeka, brave Jean! Je dis non! Et je dis non tout de suite. Oh là là, les téléportes incroyables. Ça, c'est comme ça qu'on gagne de la distance, les enfants. On a gagné 400 mètres en un seul saut, là. C'est assez fou. Par contre, là, je dis non. Un capitaine inconnu. Putain, mais si je déclenche la mission... Arbeka risque de mourir et ça c'est inacceptable. Écoute, c'est un risque qu'on prendra. Au pire, brave Jean, ces souffrances méritent d'être de prendre fin. La flamme sombre nous guide. Quel guide votre main sur les champs de bataille? Interdiction de faire une pause tant que le dernier de ces globes n'aura pas arrêté de gigoter. Pâche le futé. Bam. Enragé. Enragé par les blessures, bien sûr. Non, je voulais pas faire ça. L'immortel. Oh merde. Je n'ai l'intention de reculer devant aucun assaillant pour la gloire du grand Sauron. Non. Y'a plus de son, y'a plus rien. Là, j'ai... Rentre. Abandonne ton esprit. Je suis ton maître. Je suis dévoué, pas Sauron. Accepte-le. Je peux te sauver. Je peux te sauver, accepte ma main tendue. Je ne tue que les guerriers. À nous deux. T'as attaqué mon chien. Toi, tu vas mourir. Je ne suis pas un vulgaire orc. Je suis un penseur. Je pense bien. Mais je pense pas. Plus fort que tous les autres, et c'est pour ça que je suis le plus meilleur. J'ai aucun sens, mon gars. Entends-moi et entends-moi plus tard. Je suis le plus meilleur absolu. C'est bien. Ah, raté. Ah, putain. Tac. Ah, mais... Putain. Ça se passe mal, il est enragé. Ça se passe mal, il est enragé. On va reprendre un petit peu de distance. Voilà, un
peu de distance. Surtout, bam! Exécution instant et... Ah putain, il l'a pris. Il l'a pris, mais tant que je suis au zéro de vital, je ne suis pas safe. Vas-y, monte. Monte. Et ça, vas-y, monte. Bonjour! Allez, tu sais ce que je vais faire? Je te commande! Gare! Nous vaincrons Zoro! C'est bien, mais je n'ai pas fini! Tu ne me sers à rien! Oula, pardon, excusez-moi. Je m'attendais juste à l'exécuter au sol. J'avais oublié qu'il fallait que je fasse le combo infini. Voilà, très bien. Ah putain. A chaque fois, je leur glissais à travers, mais ça ne fait pas ça. Tasse le doré, embuscade. Bah quoi? Tu cherches un trésor? Oh non! C'est pas pour les gars comme toi, il est pour moi. Et puis c'est tout. Taz. Il est stylé. Vigilant face à la furtivité, arraché par les exécutions, bannière de guerre, bande de fanatiques, très bien. T'aurais pas dû toucher à mon frère de sang. Parce que là, tu vas me le payer. Mais c'est bien, venez tous. Bien joué. Tac. Et boum. Allez, pas de bannière. Tu vas arrêter de faire du bruit, oui, toi. Allez, drainage de combat, ça fait du bien. Boum. À l'épreuve des flèches, mais tes spots sont pas à l'épreuve des ondes de choc. Cesse de bouger. J'appelle mon assist. J'appelle mon Caragor. Allez. Ouch. Ah, il a buté mon Caragor, le collé. Bien joué. Ah, bien joué, il m'a renversé. J'ai des amis qui veulent venir jouer aussi. Ah putain, chier. Vous êtes victime d'une malédiction, aïe. Ouah putain. C'est bon, on est revenu. Tac. Ah putain, j'ai pas vu, y'a pas de QTE, y'a rien. Ah. Ah. L'enculé! Y'avait pas de QTE, y'avait rien! Oh là 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 là! Bon! Eh ben, c'est une vendetta personnelle qui vient de se créer! Braves gens! Et par contre, Arbeka le dragon est encore en vie, et ça, Dieu merci!
Dieu merci, il est encore en vie. Tu sais quoi, on y est allé avec pour but et objectif de mission de sauver Arbeka. Et c'est ce qu'on a fait. Donc après, moi, quelque part, tu sais quoi, je m'en fous. Mais j'avoue que lui, ça demandera vengeance. Hein. Ça redemandera vengeance. C'est pas grave. Vengeance qui peut être atteinte d'ailleurs assez rapidement, puisqu'ils sont où là? Vendetta, Pug le Vengeur vous a tué. Eh ben écoute, très bien. Très bien. Le Lennon a un orgueil. Mais bon, bah avance les histoires et. Tenir, quel est Brimbor? Tu connais déjà la réponse. Mais Bob avance les histoires et tout ça. Non, Lennon a son orgueil. Il a peut-être sauvé Arbeka. Mais il fera de ses gens ses esclaves. Parce qu'il y a un respect. Et on va peut-être protéger Arbeka par contre en chopant un verre. Voilà. Avec un verre et une menace de mort, ça devrait le protéger, je pense. Ok. Voilà, si je l'insulte. Ah merde. Voilà. Très bien, très bien. Bon, profiter pour choper plus d'infos. Voilà. Choper plus d'infos donc à propos de celui qui nous a tué, Pug le Vengeur. Vulnérable à la furtivité, peur des mouches de Morgaï, peur de la brutalité. Très bien, ça, bon à savoir. Quoi excellent. Que complote cet orque, il ne nous attend pas. Ben on rush. Voilà, je pense. Ça se bat entre mes orques partisans et les siens. Ah, le courageux homme du Gondor. Qui essaie bravement de me prendre par surprise et qui se plante encore. C'est pas toi que je visais. Ça touche pas, mais je sais pas pourquoi. Ok, très bien. Allez. Tu ne pouvais donc pas rester mort. Après ce que tu m'as fait. T'as rêvé mon grand. Ah, il me fait attaquer dans le tas. J'appelle un Caragor. Voilà, que ça dégage un peu le Schmilblick. Allez. Voilà. Deuxième. Oh la vache, il a buté mon Caragor instantanément. Ok. Du coup, ça ne sert à rien de s'acharner aux cacs tels qu'ils sont. Voilà. Mais de faire ça, ils ont arrêté de me voir et du coup, s'il a peur de la brutalité, nous allons le brutaliser. De la brutalité, on va le faire sur lui, j'espère. Si ça passe, ouais, ça c'est beau. J'ai pas réussi à le brutaliser. Apparemment, il faut que je brutalise quelqu'un d'autre. C'est ce qu'on va faire. Technique de la tourelle magique. Ouais, il me voit toujours. Hein. Me voyez toujours. Ça passe pas. Ça passe pas, il me voit.
suffit donc d'aller ailleurs. Voilà. Est-ce que là, ils vont arrêter de poursuivre? Non, ils escaladent, hein. Ils escaladent. Et boum! Il m'avait pas vu venir, ce qui était son erreur. Et c'est l'heure de ma vengeance, Pug! Tu es à moi! C'est le Seigneur de Lumière! Il est passé bleu! Je ferai ce que tu voudras! Enfin, très bien! Reste te battre! Aux armes pour le Seigneur de Lumière! Obéis à mes ordres! Hé! Hey. Boum! Ah, t'es bien joué. Tac! Je suis en train de me faire toute son équipe de followers. Et hop là! Ouais, je vais descendre parce que je sers à rien sur un caravore. Tac! Olé! Boum! Oula, bien joué. Enragé par les exécutions. Et merde! Putain, je me fais démonter! Ah, je suis au sol, mais personne ne pense à m'exécuter! Personne ne pense à m'exécuter! Bon bah, très bien, merci de m'avoir laissé du temps, brave Jean. Prends un peu de distance. Juste ce qu'il faut bien. Il est brisé. Il est brisé. Attention à son lanceur à côté, son lanceur de merde. Très bien. Là, merci d'être venu. Merci d'être passé. Ah, quel dommage. Ah, je suis mort. Arrière! Il est à moi! Phew! Vous pouvez rabaisser sa capitaine car son niveau est trop élevé. Ah! Ah ouais, je peux pas le recruter, effectivement, d'accord. Eh ben non, dans ce cas-là. Ah, quoique, ça sera marrant quand on le reverra plus tard. Mais il est fort en plus, cet enfoiré, il est fort, hein. Allez, il mérite parce qu'il est vraiment stylé. Nickel. Enfin. Phew. Tout va bien. Le Enon fera un épisode assez long finalement. Qu'est-ce qui se passe ici? L'orque est proche. Sa patrouille prendra bientôt fin. Léon, il est dans la zone. Parce que j'ai bien envie de me taper une petite exécution, là, j'avoue. Darz. Putain. Mais c'est lui. Mais attends, c'est lui. Oui, mais c'est lui. Je viens de... Ah, d'accord, bah, il était là, en fait. D'accord, bah, direct. On peut faire la suite de l'épisode. Directement. Par contre, mortellement blessé par les flammes, c'est quand même très triste, hein, d'en être arrivé là. Protège. Soumets-toi. Tu me reconnais? Tu m'as couvert de déshonneur. Tu m'as laissé ta marque, mais c'était futile. Ça m'a rempli d'une grande fierté. Cette marque m'a rendu bien plus fort. J'ai ressuscité et je viens te tuer. Il est mignon. Un baril. Je cherche le baril de grog de l'espoir. Ah, là-bas. Je ne cherchais bien évidemment pas au bon endroit. Venez.
Venez, venez, venez. Venez, 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 attention. Olé! Ça brûle, ça brûle. Ah, j'ai pas eu le temps, je me suis trompé de cible, quel dommage. Bon, j'avais promis qu'il meure. Oh, un anneau violet! Aïe, 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 aïe. Excusez-moi, pardon. Ouch. Non, je comprends votre colère. Olé! Et voilà. Tac, 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 tac. Voilà. Olé. Pec, 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 toi. Nourris-moi. Et voilà. Voilà. Faut quand même pas déconner. Bon. Et ben sur ce, ce fut un épisode... certes, pas vraiment fructueux. Pas vraiment fructueux, mais très très fun. Moi, je me suis beaucoup amusé. Les combats d'orques, les déterminations, tout le merdier, enfin... C'est quand même assez ouf. Et je viens de gagner un anneau. Un anneau violet, fais voir. Tars légendaire, c'est ça, de Tars Léonté. Putain, non, mais il est tué par des attaques partisans, 29% supplémentaire en chercheur de laisser de l'argent. Ah, d'accord. Bon, mais c'est un bon anneau, c'est juste... voilà, quoi, il est là, il est présent, il est décoratif, mais ça fait toujours plaisir, tu vois, quelque part. Santé régénérée à 53% à la fin du combat. Très bien, ça. Drainer un ennemi, on va prendre celui-ci, comme ça. Comme ça, on sera pas mal. Sur ce, chers amis, je vous fais de gros, 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 gros bisous. Et je vous dis à la prochaine dans l'Ordre de Mordor. Et promis la prochaine fois, on avance l'histoire. On va aller se taper cette mission qui est là. Ça, c'est quoi, ça? Voilà, conquête. La forteresse à vous, mais il y a d'autres forteresses restent à prendre. Il y a d'autres guerres, d'autres choses à faire. Mais direct, lors du prochain épisode, direct, on va faire les trois tours. Avec les comment ça s'appelle, avec les Nazgûl, direct on essaie de se taper tous ces gens, direct on essaie de faire autre chose. Mais voilà, je suis bien content, j'ai vidé mes forces dans le Mordor en les envoyant à la fosse. Mais quelque part c'est ça aussi le fun du jeu, c'est là le plaisir que t'as de pouvoir exécuter ces... Oh, Pache le futé, bah tiens, on sait avec quoi on va commencer le prochain épisode. Des bisous à tous, à la prochaine, allez zou. Le roi sorcier tente de récupérer ce qu'il a perdu. Il ne réussira qu'à perdre encore plus. Normal, je les envoie à la fosse. J'ai aucun remords.